qui joue cap là, qui joue qui pap là. Bayern Real Madrid mais dans qui composition probable que et Bayern ta doué paraître Neuer dans camp Kimmich latéral droite. Bah ça m'a gros problème avec et Joshua Kimmich latéral droite là. Kim avec Dier, Kiminji avec Eric Dier comme deux arrière centraux. Et puis Mazraoui latéral gauche. Dans le milieu de terrain, Goretzka Pavlovic comme deux demi-défensifs. Sani à droite, Guerrero à gauche et puis Muziala dans l'axe devant Harry Kane. Moun qui est absent, c'est Sacha Boué qui est blessé dans la cuisse, Coman qui est blessé dans l'ischio jambier et puis Sarr qui est blessé dans le genou. Pour l'équipe Real Madrid, Lounine est supposé dans le camp. Lucas Vazquez latéral droite. Tchouameni Rudiger comme deux arrière centraux. Et puis Mendy, latéral gauche. Dans le milieu de terrain, Valverde, Cruz, Camavinga, Bellingham. Et puis en attaque, Vinicius Junior avec Rodrigo. Et absent, Carvajal, qui est suspendu à la bague blessée dans le genou. Alors, par rapport à deux compositions probables, il faut que moi dise que c'est pas une bataille très, très tactique. Parce que c'est deux entraîneurs qui de très haut niveau tactique. Bayern a pris 4-2-3-1, Real a pris 4-3-1-2. Malheur pour l'équipe Bayern, non, c'est Kimmich comme latéral droit. Son malheur lié. Parce que Kimmich, son arrière latéral droit qui est 50-50. Samuel est 50-50, non, qui remet monté. Et c'est ça qui fait pour que Bayern n'a pas joué avec Alphonso Davies. Alphonso, ce n'est pas blessé, c'est le blessé, non? Il a baillé sur le banc pour des raisons techniques. Parce que lorsqu'on défend sa 4, les deux arrières ont monté, il est capable de poser problème. Les deux arrières latéraux ont monté, il est capable de poser problème à repli défensif équipe ça. Et repli défensif, là, alors, qui choix équipe Bayern a fait? L'équipe Bayern nan, li choisi Kimmich kap monte à droite et puis Mazraoui qui est capable de sécuriser la défense. Pour la question, je me pose tête. Moi. Si M. Ose démarrer avec Kimmich latéral droite, qui plan le gagner pour Vinicius? Parce que Vinicius, par exemple, quel entraîneur jodi a qui va jouer face à Vinicius pour pas un plan anti-Vinicius? L'impossible. D'ailleurs, Vinicius, ce n'est pas un nègre qui a contré en un contre un. Il est rapide, il est provoquant, il est déroutant. Ok? Soit il met un grand défenseur sous lui, et malheur pour vous, si vous êtes de Barcelone, qui te mette Ronald Araujo dans la Super Coupe d'Espagne, là, nous songez, ça, monsieur fait, Ronald Araujo passé. Qu'on est là, quel est le plan défensif? De l'entraîneur et allemand, et m'a parlé de Thomas Tuchel. Est-ce que l'a quitté toute l'aile droite là pour Sané, il n'a pas quitté Kimmich Monté? Et là encore, la pose un problème parce que Kimmich, pas un grand défenseur. Kimmich, c'est un défenseur normal, mais ce n'est pas un qui dure sur l'homme. Je pense que monsieur a besoin d'un nec d'un coup Goretzka pour le couvrir sous l'aile là pour Kimmich parce que il n'est pas bon pour quitter Kimmich en un contre un avec Vinicius. Deuxième problème, deuxième malheur moi, pour l'équipe Bayern, non? C'est les contre-attaques du Real Madrid. Contre-attaque Real Madrid, yo rapide, yo fulgurant. Eric Dier avec Kim Min-jae, deux nègres à eux, centre de gravité très haut, le gros nègre, et ils pas rapide sur coup de distance. Imaginez, on passe dans deux défenseurs et puis Rodrigo a couru avec Kim Min-jae. Kim Min-jae sont arrière qui solide, qui croient dans le duel. Have you ever wondered where soccer, the world's most popular sport, originated? Duel côté attaquant, our journey begins thousands of years ago in various corners of the world. In ancient China, a game known as Kuju, which roughly translates to kickball, was played. This was a sport where players would use their feet instead of their hands.
a key characteristic of modern soccer. Fast forward to Greece and Rome, where versions of the game were played as well. These games, while different in their own ways, shared a common theme, a ball and a goal. But it wasn't until the 19th century in England where the game we recognize today began to take shape. The rules were standardized, teams were formed, and the first official soccer association was created. This was the birth of the sport that captures the hearts of millions around the globe. And so, what we know as soccer today took its first steps in the green fields of England. From humble beginnings, soccer has grown and evolved into a global phenomenon. The game we know and love today has been shaped by countless key milestones. Picture this. The year is 1904, and representatives from seven European nations come together to form the International Federation of Association Football, or FIFA, as we know it. This organization would go on to become the governing body of world soccer, overseeing the rules and regulations that keep the game fair and exciting. Fast forward to 1930, and the world is gripped by soccer fever as the very first World Cup kicks off in Uruguay. This monumental event sets the stage for a tradition that continues today, bringing together nations from around the globe in a celebration of skill, teamwork, and sportsmanship. As the decades rolled by, the beautiful game spread far and wide, reaching every corner of the globe. It's during this period that we see the emergence of legendary players who would define generations. Players like Pele, who dazzled fans with his skill and charisma. Maradona, whose audacious talent and controversial hand of God goal still sparks debate. And Lionel Messi, whose precision and creativity continue to redefine the boundaries of what's possible on the field. With each passing decade, soccer has captivated more hearts, and its legacy continues to grow. From its humble beginnings, this simple game has become a global phenomenon that transcends borders and cultures, uniting us all in our shared love for the beautiful game. Today, soccer is more than just a game. It's a global language uniting people of all backgrounds. It doesn't matter where you're from, what language you speak, or who you are, soccer transcends all barriers. It's the world's most popular sport, a cultural phenomenon that's become an integral part of our global society. Soccer's influence extends far beyond the pitch. It shapes our culture, our communities, and even our economy. This has never been more evident than in the top leagues around the world. The Premier League, La Liga, and the UEFA Champions League are more than competitions. They're global events that captivate audiences, fuel economies, and inspire generations. But soccer isn't just about tradition. It's a sport that's constantly evolving, embracing technology to enhance the game and ensure fairness. The introduction of video assistant referee, or VAR, and goal line technology are perfect examples of this. These innovations have revolutionized the game, providing a new level of precision and accuracy that was unimaginable just a few decades ago. Yet, despite these changes, the heart of soccer remains the same. It's still about passion, teamwork, and the thrill of the beautiful game. And as we look to the future, one thing is certain. Soccer will continue to unite us, inspire us, and remind us of our shared love for this incredible sport. In a world more connected than ever, soccer continues to be a powerful force that brings us together. So from ancient civilizations to the digital age, soccer has journeyed through time and across continents. We've traced its origins from the rudimentary games played by ancient societies to the structured sport we recognize today. We've charted its evolution, witnessing the transformation from simple beginnings into a game that's as strategic as it is physical. We've seen how it's adapted to the modern era, embracing technology to enhance its appeal and reach. Today, soccer is more than just a game, it's a universal language, spoken in stadiums and street corners around the globe. It's a force that transcends borders, cultures, and social barriers, uniting people in a shared love. It's a testament to our collective human spirit, reflecting our capacity to strive, to compete, and to celebrate together. Soccer is not just a sport, but a testament to the human spirit, to strive, to compete, and to celebrate together. And that, my friends, is the beautiful game. Ou konnen ke ekip adverse ap danje sou kontatak, premier bagay k'ou fè, ou fè fòt otomatikman. Ou mete Real nan situasyon pou la pour la faire attaque placée. Mais ça qui est dangereux dans bagaille ça, c'est que Real son équipe hybride que lui. Mon cap critiquer Real, Real son équipe hybride que lui.
Real pas une équipe de contre totalement. Real pas une équipe de possession totalement. Real a juste besoin de faire un résultat demain. Et le résultat, c'est pas perdu. S'il gagne, ok. S'il fait match nul, très bien. Parce que le résultat, c'est pas perdu. En façon pour la chercher qualification, la Kylie. Kounia là, soumettre Real dans la situation pour la faire ta classe, il n'y a pas de problème pour Real parce que Real a un zam pour ça. Jude Bellingham et Modric, Valverde, c'est des gens qui sont capables de faire Real élaborer jouet normalement dans le milieu de terrain. Vinicius est capable de participer dans l'élaboration jouet là. Et puis Rodrigo capable de faire n'importe qui dégât, n'importe qui moment. C'est là le du l'obra jouer avec Real Madrid là. Si Real c'est ton équipe de compte seulement, soit t'as content au fait, ou t'as bien possession boule là, l'opère du boule long courir fait faute. Et même si les contingents la donne puis devant capable prendre carton jaune, mais ou t'as metté Real dans situation pour élaborer seulement, pour faire attaque placée. Mais Real pas de problème faire attaque placée, c'est là le du pour équipe Bayern Munich là. Et si moi t'as fait un petit pronostic, un Real plus frais, deux et équipe Real Madrid dans le plus fort joueur ce n'est pas le cas pour Bayern. Trois expériences entraîneur ça comparatif à Thomas Tuchel, c'est deux entraîneurs qui expérimentés, mais Ancelotti mon cher sont bêtes de compétition, surtout si compétition qu'on formule de coupe, surtout si c'est la Ligue des Champions. Ancelotti champion quatre fois, mais Ancelotti perd du final. Ancelotti perd du final en 2005 avec Milan. En plus, le monde oublie ça. Ancelotti perd une demi-finale avec Juventus. C'était devant Manchester United en 1999. Et il perd son quart de finale devant Deportivo La Coruña. Les Alphines battent 4-1, il prend 4-0. Et finale 2005, il tape mené 3-0. Là, il fait un changement. Match à 3-3. Et puis, il perd du match. Donc, monsieur a assez d'expérience, je vous dis, pour être capable de contrecarrer les plans de Thomas Tuchel. Thomas Tuchel lui-même, c'est vrai que monsieur a expérience. Avec Dortmund, l'éliminer dans le quart de finale. Avec Paris Saint-Germain, il fait finale en 2020. Avec Chelsea, il est champion en 2021. Et en 2022, il fait quart de finale. Qu'il a été éliminé devant Real Madrid de Carlo Ancelotti. Donc, c'est deux entraîneurs qui gagnent en pile expérience Ligue des Champions. Et demain, nous allons tomber sur un très, très bel match football sur le plan tactique. Alors, nous allons lire les déclarations entraîneurs. C'est très important. Les déclarations entraîneurs, nous allons dire qui ça va le faire dans le match. Demain, c'est Clément Turpin qui va arbitre et match football ça. Clément Turpin son arbitre français, c'est une meilleure sifflet en France et c'est lui même qui va arbitrer match football ça. Forme du moment, Bayern Munich était sur un match nul 4 victoires, équipe Real Madrid l'a été sur 2 matchs nuls et 3 victoires. J'aime d'ab Julien et Bayern fait 12 victoires, 3 matchs nuls et 11 victoires pour le Real Madrid. Et à nous garder déclaration entraîneur yo. Carlo Ancelotti, monsieur dit, pas de surprise demain. Nous devons bien défendre et éviter contre-attaque yo. Nous pourrons jouer un match complet. Et Bayern sont grande équipe. Ils ont incroyablement bien joué contre Arsenal, qui est en tête première ligue et qui est très fort saison ça. Federico Valverde, il fait des déclarations tout. Monsieur dit, moi capable de dire personnellement que moi très excité. C'est la première fois que je n'ai pas affronté Bayern Munich en Ligue des Champions. Et moi très heureux de tout ça me vivre avec l'équipe ça, moi très fier. Et nous garder l'autre déclaration qui fait encore entre et acteurs qui parlent là demain. Thomas Tuchel fait des déclarations. Monsieur dit deux matchs, c'est-à-dire match aller, match retour, il y a des allers de finale. Moi va le préparer moi en conséquence, il est capable de passer en pile bagaille. Nous va le bailler toute bagaille pendant 90 minutes pour gagner match ça. Nous avons besoin d'une énorme ambiance et un soutien total pour nous traverser ce moment ça qui est un peu délicat. Nous devons unir nous avec fanatiques pour nous créer une atmosphère qui baille un petit coup de pouce. Carlo Ancelotti sont légendes.
c'est un homme qui est très humble, son entraîneur extraordinaire, et il est impossible pour nous apprécier à juste valeur. Nous jouer contre Real, c'est jouer contre un mythe. Nous pouvons réunir nous aujourd'hui afin que nous préparer nous et de ça nous pouvons affronter. Joshua Kimmich, nous fait déclaration tout. Nous a dit, Léo t'a remporté la Ligue des Champions il y a de ça 2 ans et il était souvent mené sous au score avant de renverser vapeur. Ce n'est pas une question de chance. Il y a confiance dans la force et il connaît qui ça qui était yo pour manquer jusqu'à la dernière seconde. Il y a une qualité nécessaire pour rebondir et il est capable de battre n'importe quel adversaire. Et grand club ça c'est deux grands clubs pardon qui vont l'affronter eux, il est la difficile pour dire qui ça cap clé match là. Nous connaissons que Real gagne pile expérience, il gagne un pile gros match, il est toujours dangereux. Mais nous connaissons que nous gagne deux beaux matchs contre Arsenal et nous pas gagne raison pour nous faire profil bas. Voilà. Deux équipes ça, c'est deux monstres du foot européen et c'est un bagage tête chargée histoire entre équipe Real Madrid avec équipe Bayern Munich et une plus belle performance Real c'est 4-0 la caille Bayern et jodi a fait exactement 10 ans et demain et you pral rencontrer eux et mais faut moi dire que tendance dans ces derniers temps c'est que Real toujours gagne à l'extérieur. Real toujours gagne Bayern, la caille Bayern. Mais c'est deux équipes qui vivent tous les deux sous même forme. Et Real, 2 matchs, 3 victoires. Bayern Munich, les mêmes finis sous 4 victoires et 1 match nul. Donc, c'est deux équipes qui valent intéressant pour nous garder demain dans les affaires Ligue des Champions. Matsa, la joue à 3h, heure haïtienne. Et nous entendons qui est capable d'arbitrer là. C'est Clément Thiopin cap arbitre match football ça. C'est Bayern Munich cap recevoir Matsa. Alors Real lui-même son équipe qui fête pour la Ligue des Champions. C'est son motivation pour la Ligue des Champions et équipe Bayern Munich lui-même pour sauver ses zones faut gagner Ligue des Champions. Il perd du Coupe d'Allemagne là, il perd du Super Coupe d'Allemagne là devant Leipzig. Il perd du Coupe d'Allemagne devant Saarbrücken. Il perd du championnat au profit de Bayern 04 Leverkusen. Meilleure façon pour ne pas faire une saison blanche, c'est battre Real et qualifier pour la finale, soit pour la jouer à Dortmund, soit pour la jouer avec Paris Saint-Germain. Je dis ça franchement. Moi, je pense que 1, 2, 3, 4, Real favori pour ta remporter la compétition. Il est favori pour ta éliminer Bayern demain. Mais deuxième favori en compétition, c'est Bayern. Moi, je pense que Bayern a gagné un petit plus en plus Paris Saint-Germain. Semble dit par là, champion a un pile chance pour sortir entre Real et Bayern. Un pile chance. Troisième équipe, moi, qui comme favori numéro 3, ou bien nous carré l'outsider, c'est Paris Saint-Germain. Et puis en dernière position, équipe qui a moins chance pour remporter la compétition, ça. C'est l'équipe Borussia Dortmund qui pas demandé plus pour le river côté le river. C'est pour un bel match football dans stade match à jouer demain, hein. C'est stade ça qui est finale Ligue des Champions 2025 ans. Donc un ou motivation côté Bayern pour sauver saison et Harry Kane pour le récit champion et puis deux motivation pour l'équipe Bayern hein, parce que Harry Kane pour qui ça me cite non Harry Kane parce que finale Ligue des Champions, le bal fait en Angleterre, à Wembley. Harry Kane son anglais, il est trop content de tourner à Wembley. Mais ça m'a dit qu'il valable pour Real. Jude Bellingham son anglais, il a bien aimé lever couple à Wembley. Et l'équipe Real Madrid a soif Ligue des Champions parce que l'année dernière, Manchester City était mis au dehors 4-0. Donc, meilleure façon pour la vie à France, c'est remporter la compétition. Donc, c'est deux équipes, deux monstres du football européen, c'est deux équipes surmotivées qui pourraient rencontrer demain, nous lire toutes déclarations. Et quelques stats en Ligue des Champions.